Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule. Alors j'ai avec moi le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Bonjour pasteur. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Darius. Bonjour, on est à l'émission Pendule à l'heure. Yes. Et depuis quelque temps, on a démarré la série sur la force intérieure, amen, la force mentale. Et on va édifier les téléspectateurs aujourd'hui encore. Amen. Parce qu'on va voir les caractéristiques de celui qui a une mentalité faible et les caractéristiques de celui qui a une mentalité forte. Pasteur Isaac, est-ce qu'on peut résumer un tout petit peu ce qu'on a vu rapidement à l'autre émission? L'autre émission, on a merci à l'apôtre pour l'opportunité d'être dans cette émission Pendule à l'heure. Je pense que pour résumer vite fait, vraiment un grand sum up, vraiment dire qu'on a surtout parler de l'importance d'avoir la mentalité forte. Ouais. On a vraiment dit que ça nous permet de rentrer pleinement dans nos destinées. Ça nous évite d'écourter notre vie, d'avoir la longévité. Mmh. Et surtout, on a été édifié par beaucoup de personnages, tant bibliques que même sportifs. C'est on a ça. Vu que c'était des personnes qui avaient vraiment une mentalité forte. Mais et puis, on a également ajouté que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Mmh. On le travaille dans le secret. On a parlé pas mal de sportifs. Comment ils arrivaient à se projeter avec l'imagination, avec la mémoire, toutes ces choses-là. Mm. Ils travaillaient ça dans le secret et Amen. Puis finalement, ils ont eu le succès. Et puis, il y a quand même le personnage Élie, l'exemple d'Élie qui nous a beaucoup marqué. On a vraiment vu l'urgence de comprendre le phénomène âme, s'il faut le dire entre griffes. On a vraiment vu l'urgence de comprendre l'âme, comment l'âme fonctionne. Mm-hmm. Et le pasteur Darius, bien sûr, avec le pilotage de l'apôtre, nous a également montré comment il faut donner des arguments à notre âme pour avoir le succès. Mm. Donc, vraiment des bonnes choses, quoi. Oui, pasteur. C'était long. je vais appeler le pasteur Jean-Claude. Les téléspectateurs vont être bénis. Bonjour. Oui, pasteur Darius, bonjour. Bon, bah, il a tout dit. Hein. Il a tout résumé. J'ai résumé pour tout le monde. Mais il est inspiré. En tout cas, il est inspiré. Là, il est très inspiré. Non, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de personnages, très bien que bibliques, même des sportifs, comme il a dit. Ouais. On a vu que combien de fois c'était important de ne pas. De ne pas se laisser affaiblir en fait par les mauvaises émotions. Comment réussir à garder une mentalité forte? On a vu que la mentalité forte, en fait, c'est cette mentalité-là qui nous aide à être justement un champion. Mm-hmm. Et on a vu que c'était vraiment important de pouvoir la développer, en fait, que, comme elle a dit, c'est pas inné. C'est quelque chose à développer, on n'est pas comme ça. Même toutes les personnes qu'on peut voir dans la Bible, des personnages bibliques, ou même des personnes autour de nous, ou bien même des personnes qu'on connaît, des sportifs ou autres, c'est des personnes qui l'ont développé. Même si on a l'impression qu'ils sont nés comme ça, ils l'ont quand même développé. Voilà. Gloire à Dieu, on va aller dans le vif du sujet, hein, parce qu'il faut qu'on montre aux internautes c'est quoi avoir une mentalité faible, c'est quoi avoir une mentalité forte. Déjà, quelles sont les caractéristiques d'une mentalité faible? Déjà, celui qui a une mentalité faible se décourage facilement, en fait. C'est ça. Facilement. C'est ça, c'est une personne vraiment qui va se décourager facilement. Je pense que là, j'aimerais que les téléspectateurs nous regardent et prennent peut-être même des notes parce que ça va permettre à certains de savoir où ils se trouvent. C'est ça. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont des mentalités fortes alors qu'ils ont des mentalités faibles. Voilà, donc des fois, ça peut aider aussi à certains à corriger. Oui. Voilà, une mentalité, une personne, par exemple, qui se décourage facilement, effectivement, c'est une personne qui a une mentalité faible. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation qui est là, qui n'est pas devant laquelle on n'a pas forcément la solution tout de suite, elle va essayer une fois, deux fois, elle va dire non, c'est pas possible. Elle va conclure que ce n'est pas possible. Ouais. Mais bizarrement, quelqu'un d'autre va venir et va réussir à trouver une solution. D'accord. Et souvent même, quand on conclut que c'est pas possible, on s'attend à quelqu'un d'autre pour trouver la solution. On se dit pas forcément, on met pas forcément une croix complètement. Des fois, on va même dire peut-être que c'est pas pour nous, ou peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, ou qu'on n'a pas les capacités. Mais en fait, on n'a pas les capacités parce qu'on n'a pas poussé le bouchon un peu plus loin, on n'a pas persévéré, on ne s'est pas battu suffisamment. Et selon les différentes expériences qu'on peut vivre, il y en a certaines où on doit se battre beaucoup, d'autres peu. Et d'ailleurs, à force de se battre, on développe une mentalité qui fait qu'on se battra moins avec le temps. C'est ça. Amen. Oui, bien sûr, d'autres caractéristiques d'une mentalité faible, ça va être... On était encore sur le découragement.
Ah, d'accord. Dans... Ben, ça fait partie, non, mais vas-y, ça fait partie des caractéristiques. D'accord, vas-y, oui. Bon, vas-y, lui, là, après... Vas-y, oui, oui. Bon, c'est sûr que... Ça nous donne la matière. Une mentalité faible, c'est sûr. Ça va être quelqu'un qui se décourage facilement. Ben, on voit bien que ça montre qu'il n'y a pas la force à l'intérieur et tout ça. Ça fait une autre caractéristique. Après, je voulais également dire une mentalité de quelqu'un qui a une mentalité faible. Ça va être la personne qui va parler négativement. Ah, ouais. Va parler négativement sur soi. Parce que ça peut aussi également... De toutes les façons, quel matériau il a dans sa tête. Et c'est ça. C'est ça. Hein? Il n'est pas fort mentalement. Il va parler. Que je vais... voilà, ce que je vais ajouter, c'est parler négativement sur soi. Ça peut également aussi, un ajout, parler négativement sur les autres. Parce qu'on voit, je prends dans les mécanismes, on va quand même voir que Proverbe en parle beaucoup, vraiment, comment on parle pour son âme. On voit beaucoup, bon, ça c'est la troisième émission. On va beaucoup plus décrire les mécanismes. Donc, vraiment, être négatif, parler négatif sur soi. Mais on a vu le cas d'Élie, comme il va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est négatif. Tu as quelque chose en toi. Tu as des ressources. La personne va parler négativement sur soi. La personne ne va pas relativiser, peut-être face à l'échec, ou bien avoir une bonne attitude, surtout une attitude positive, face à un défi. Parce qu'on a vu dans les émissions, parfois, quand il y a un défi, il faut avoir une bonne attitude. On peut trouver des solutions facilement. Donc, ça, c'est un peu déjà des caractéristiques d'une mentalité faible. J'ai encore une autre caractéristique. Ça peut être... Parce qu'il faudra qu'on les approfondisse, hein, ces caractéristiques-là. D'accord. Parce que là, on est sur les caractéristiques. C'est vrai. C'est vrai. Oui. À cette allure-là, si on ne les approfondit pas, on va terminer l'émission dans 10 minutes. On va continuer. On va d'abord bien j'espère énumérer. J'espère que vous avez l'intention de les approfondir. Hein. J'aimerais juste parler de ces caractéristiques. Parce qu'on risque de toucher aussi les mécanismes après. C'est vraiment la frontière. Est tellement petite. Le fait d'exagérer. Souvent, les personnes qui ont une mentalité faible exagèrent beaucoup. Surtout le négatif. C'est-à-dire que quand... C'est surtout ça qui est extraordinaire. Quand c'est négatif, ils exagèrent. Comme quoi, c'est tellement négatif. Là, je pense, par exemple, aux 10 espions. Sur les 12, il y en avait 2 qui étaient positifs, mais il y en avait 10 qui ont complètement exagéré. Ils ont dit, c'est des géants. On est comme des sauterelles. Alors qu'ils n'ont jamais été à leur position. Dans leur position. Donc, comment ils ont su qu'ils sont comme des sauterelles? Donc, ils exagèrent vraiment énormément. Et c'est cette mentalité-là, en fait, qui pousse même certaines personnes à voir le bien et à tellement le faire petit. C'est-à-dire que ce qui est positif est petit, mais ce qui est négatif est extrêmement grand. Et donc, du coup, c'est aussi une caractéristique qu'on pourra développer tout à l'heure. Oui, vous avez d'autres caractéristiques. La mentalité faible, c'est faible, ça ouais. La mentalité faible, une autre caractéristique. La peur. Ce sont des peureux. Il y a beaucoup de... Le stress quotidien. Ils stressent pour un rien. Comment ça va se passer? Oui, mais attends, est-ce qu'on va y arriver? J'ai peur qu'il puisse pleuvoir. Il fait beau. Le ciel est dégagé. Pourquoi voir toujours quelque chose de négatif? Et si on a un accident, alors que la personne qui conduit a son permis, tout se passe bien. Oui, mais si on n'y arrive pas, et si le projet échoue, mais toujours avoir le côté négatif d'abord, lié à la peur, au stress, des choses comme ça en fait. Et puis, une autre caractéristique, il y en a quand même, si on fouille bien, par exemple, le manque de prise de risque aussi. Je pense que quelqu'un qui avec cette imagination positive-là, va souvent prendre les risques. Et je pense que, encore une fois, j'ai encore quelques paroles de l'apôtre, je ne sais pas, en Bretagne, qui disait que, je ne sais pas si à l'émission, on dirait tout ça, qui disait vraiment, enfin, les riches vont souvent prendre des risques, en fait. Quand on prend des risques, on va beaucoup plus, on va réussir, en fait. Donc, on voit que des gens qui ont une mentalité forte vont avoir une capacité élevée à prendre des risques dans la vie, ça peut être dans les affaires, ainsi de suite, mais ils vont oser. Bon, on voit que Pierre, quelque part, finalement, par rapport aux autres, il avait quand même une mentalité un peu plus forte que les autres, puisque lui, il y a quand même une situation qui est là, il y a le vent, le Seigneur Jésus arrive sur, il dit marcher, mais il va quand même se lancer. C'est ça. C'est sûr, on parle la foi, mais il avait quand même cette mentalité plus forte que les autres, puisqu'il a quand même marché. Ben donc, du coup, les caractéristiques d'une mentalité forte, d'une mentalité de champion. Ça va être tout ce qui est l'inverse de tout ce qu'on a dit. Vas-y. Ça peut être, par exemple, être courageux. D'accord. Pour les personnes qui se découragent rapidement, être courageux et surtout maintenir son courage. Parce que je pense que c'est important. Beaucoup ont manifesté des fois des attitudes de courageux, mais ils n'ont pas fait long feu, en fait. Et souvent, c'est dans la persistance
que nous pouvons en fait voir la manifestation de ce que nous voulons. Mm-hmm. C'est le fait d'être persévérant, c'est mm-hmm. le fait d'avoir une espérance quelque part. Mm-hmm. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Mm-hmm. Donc le fait d'espérer quelque chose t'aide à tenir, mm-hmm. à tenir, à continuer à te battre. Mm-hmm. Voilà. On voit les gens qui ont une mentalité forte, ben, c'est vrai qu'on peut, on peut finalement voir la pensée de la personne, mm-hmm. de par son attitude. C'est ça. Donc, on voit les gens qui ont une mentalité forte, mm-hmm. vont penser différemment. Mm-hmm. Bon, pour les chrétiens, ils vont vraiment penser comme Dieu, mm-hmm. ils vont penser comme la parole de Dieu. Mm-hmm. Et puis, ils vont beaucoup relativiser. Ils mm-hmm. vont, là où peut-être d'autres personnes voient, comment dire ça, l'échec, la vie s'arrête là, eux, ils vont voir plutôt des opportunités. Mm-hmm. Ce sont des personnes qui vont finalement apprendre des choses mm-hmm. là où tout le monde voit la détresse. Mm-hmm. Et ils vont s'enrichir, comme le pasteur Daru l'a dit. Finalement, mm-hmm. il a appris au travers, il est passé par beaucoup de choses. Ouais. Mais finalement, c'est comme s'il s'excite quand il y a les défis devant lui. Mm-hmm. Parce que finalement, il voit au travers de ces défis-là, pas seulement des défis, mais une opportunité d'apprendre des choses. C'est ça. Et on avait également parlé à une émission, de, je pense c'est l'apôtre qui parle de l'aigle. Mm-hmm. Et finalement, moi, j'avais rebondi sur l'aiglon. Mm-hmm. Comment l'aiglon est sur le nid. Mm-hmm. C'est quand le nid le serre mm-hmm. que l'aiglon prend l'envol. Mm-hmm. Tant mm-hmm. qu'il est encore bien dans son nid, mm-hmm. il reste dans le nid de ses parents. C'est quand le nid le serre, mm-hmm. c'est là où finalement l'aiglon prend l'envol. Amen. C'est la même chose avec les défis qu'on peut rencontrer. En fait, quand on a des défis nous apprennent la sagesse, mm-hmm. nous permettent d'apprendre des choses, à fouiller, à apprendre des choses finalement. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui ça. A développé une mentalité de champion et déterminé. C'est amen, ça. Amen. Il est très déterminé, mm-hmm. il est jusqu'au boutiste. Amen, amen. Jusqu'au boutiste. Mm-hmm. C'est vrai, il est jusqu'au boutiste. Et par rapport à ce que je disais même tout à l'heure, c'est que celui qui va être faible dans sa mentalité, il va exagérer. Mm-hmm. Mais au contraire, celui qui est fort, il va être très objectif. Mm-hmm. Il va dire non, c'est comme ça et c'est pas comme ça. Mm-hmm. Il va vraiment pas exagérer les situations. Quelqu'un qui a une mentalité de champion, c'est quelqu'un qui accepte la vérité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il sait regarder la vérité en face mm-hmm. et dire j'ai été faible, mm-hmm. donc il faut que je me fortifie là. Mm-hmm. Là, j'ai l'impression que j'ai des lacunes, il faut que je les travaille. Mm-hmm. Quand on lui fait des remarques, elle les prend. Mm-hmm. Elle ne les repousse pas, en fait. Mm-hmm. Cette personne va les prendre et va essayer de développer, de sortir ce qu'il y a de bon dedans. Mm-hmm. C'est une personne qui n'aura pas besoin qu'on puisse forcément la caresser dans le sens mm-hmm. du poil mm-hmm. pour qu'elle puisse avancer. Mm-hmm. Lorsqu'on lui dit des choses, qu'on lui dit de la bonne façon ou de la mauvaise façon, elle sait enlever ce qu'il y a de mauvais et de prendre ce qu'il y a de bon. Mm-hmm. Donc, du coup, la susceptibilité est une caractéristique... Une faiblesse de caractère. De la mentalité faible. Tout à fait. Mm-hmm. D'accord. Et c'est vraiment très, très intéressant ce qu'il est en train de dire. Mm-hmm. C'est vraiment un très, très grand point. Et Proverbe en parle. Et on l'avait dit la dernière fois, comment le livre de Proverbe commence. Mm-hmm. Et quelqu'un qui a une mentalité forte, aura une bonne attitude face aux réprimandes, c'est ça. Face aux corrections, parce que c'est quelqu'un qui veut toujours aller loin. Loin. Et on voit curieusement comment le livre de Proverbes commence. Il va dire, vous acceptez les réprimandes et je répandrai mon esprit, l'esprit de sagesse. Donc, quelque part, on ne peut pas s'améliorer si on n'a pas une bonne attitude face aux corrections, même face aux critiques, comme ils viennent le dire. Quelqu'un qui a une mentalité forte ne va pas être offensé, surtout parce que quand on est heurté, offensé, finalement, c'est ce qui crie finalement plus fort. C'est ça. Mais quand on a une mentalité forte, on va avoir une bonne attitude face aux critiques. On saura prendre ce qu'il faut prendre, on saura faire attention, on a objectif. Au travers des critiques, on peut même s'améliorer. Quelqu'un qui est faible va dire, on parle mal de moi, et puis on s'apitoie. Mais quelqu'un qui a une mentalité forte va être objectif face à n'importe quelle critique. Si ce sont des corrections, il sait que ces corrections, c'est pour me permettre de m'améliorer. Donc, il n'est pas susceptible. Il ne s'offense pas facilement. Autre chose, apôtre, je pense qu'une personne qui a une mentalité de champion ne cherche pas l'approbation de la majorité. C'est ça. Il cherche juste l'approbation de la vérité. C'est ça. Ça veut dire qu'il est prêt à avoir le reste du monde contre lui à partir du moment où il sait qu'il est dans la vérité. Amen, ça. Il est sur le bon chemin. Amen. Alors que, au contrario, celui qui a une mentalité faible aura tendance à vouloir aller vers le courant de la foule. C'est ça. Tout le monde pense ça, donc je suis comme vous. S'il vous plaît, ne me rejetez pas. En fait, il cherche l'approbation de la foule. C'est ça. Or, quelqu'un qui a une mentalité de champion, lui, il ne cherche pas forcément à se conformer à qui que ce soit. Il cherche juste à accomplir ses objectifs, même s'il nage à contre-courant. Amen, amen. C'est comme ça même qu'on va voir beaucoup de champions, même de légendes, qui vont dire que lorsque
pendant qu'ils étaient en train d'accomplir ce qui fait d'eux des légendes, on les voyait comme un peu des extraterrestres. Amen. On les jugeait, ils étaient hors normes. Amen. Ils n'étaient pas comme les autres. Amen. Ils avaient des attitudes différentes. Pourquoi? Et ils ne cherchaient pas à s'en cacher, bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette mentalité où ils ne cherchent pas à faire comme les autres, amen, mais cherchent à faire ce qu'il faut pour accomplir leur mission. Amen, mais si amen, ce amen. Qu'il faut est s'aligner comme les autres, bah, ils vont s'aligner. Mm-hmm. Mais si ce qu'il faut faire est être complètement le contraire de ce que les autres font, bah, ils vont le faire. Mm-hmm. Et l'exemple aussi de Jésus, mm-hmm, qui lui était prêt à parler différemment. Amen, c'est amen. Le premier qui va dire « haine ton ennemi ». C'est quand même extraordinaire comme c'est déclaration. C'est vraiment une force morale extraordinaire. Tu vas dire « haine ton ennemi ». Il faut être au-dessus des blessures, même tout ça. Tu vas commencer où? Tu vas faire comment? Aime ton ennemi. Et il le dit en le disant comme une leçon qu'il enseigne, parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise. En fait. Et souvent, on va voir qu'on va dire de lui, jamais homme avait parlé comme lui. Jamais personne n'avait fait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas à se conformer. D'ailleurs, à un moment donné, il va même dire dans la Bible, si vous faites les choses comme les fils de ce monde, je paraphrase un peu, comment vous... je vais dire, où serait la différence avec les gens de ce monde? Donc, cherchez à être différent. Cherchez à poser des actions que jamais personne n'a posé pour espérer avoir les résultats que jamais personne n'a eu. Amen. Et vraiment, ça me permet de rebondir sur, encore une fois, sur ce point-là, voir vraiment quelqu'un qui a une mentalité forte ne va pas dans la réaction, il va dans l'action. C'est un peu pour rejoindre ce qu'il vient de dire. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui cède à la pression de la foule ou des personnes. Il a une philosophie de vie. Il fonctionne en fonction des convictions, bien sûr, qui sont liées à la parole de Dieu. Donc, du coup, un personnage biblique comme Samson, fort comme il était physiquement, avec l'onction de Dieu sur lui, vous pensez qu'il était fort mentalement ou pas? Faible. Et donner des éléments. Moi, je pense qu'il était faible. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on n'arrive pas à gérer ses pulsions, c'est qu'on est faible. Ça, c'est vrai. Mentalement. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que lui, c'était beaucoup les femmes. Ça, c'est vrai. Voilà, donc à partir du moment où il a vu Dalila, il s'est dit, Dalila, tout ce que tu veux, je te donne. Dalila, au point où il livre même le secret de sa réussite, en fait. C'est-à-dire la raison pour laquelle il est né, en fait. C'est-à-dire qu'il est prêt, quelque part, à squeezer sa destinée, la destinée de tout Israël, juste parce qu'il aime la fille. Et c'est là où on voit, par rapport à ce point-là, c'est là où on voit que quand on parle quand même de la force morale, bon, déjà, Samson, effectivement, il n'avait pas... Il n'avait pas la force mentale. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu avec Élie. Ce qui se manifestait dans la vie de Samson, c'était l'esprit de force. C'était quand l'esprit même. De force. Donc, c'est l'ordre du spirituel. Donc, on voit qu'il n'avait pas quand même ce bon caractère. La preuve, bon, on va dire qu'il va aller d'abord avec une première femme qui est, bon, on va dire, c'était plus ou moins correct avec la loi. C'est surtout quand on arrive au cas de Dalila où on voit vraiment que. Donc, il n'avait pas, finalement, la force mentale, c'est quand même aussi avoir cette force morale-là, avoir marché dans l'éthique. Donc, parce qu'on voit quand même, on a pris des sportifs tout à l'heure, on va voir que c'est sûr, ils vont confesser des choses, ils vont positiver, mais on a vu quand même beaucoup de sportifs un peu écouter leur vie. Donc, quelque part, ils avaient une certaine force mentale. Bon, ils n'avaient pas tout le package, parce qu'on voit finalement qu'on peut avoir une certaine force mentale, mais si on n'a pas cette force morale-là, ça veut dire que également, c'est sûr, je positive pour mon match, je veux gagner le match. Mais la force morale de se discipliner, de se mettre des restrictions dans sa vie, si ce n'est pas là, quelque part, finalement, on n'a pas vraiment totalement une force mentale. Du coup, en fait, la force mentale aussi, c'est savoir résister à la pression, y compris le chantage affectif. Amen, c'est ça. Amen, parce amen. Que Delila, en fait, c'était du chantage affectif. La Bible dit même qu'elle l'a oppressé à un point où il voulait en mourir, en fait. Amen. C'est là où il a livré le secret. C'est, en fait, résister, dire plutôt mourir que de parler, en fait. C'est ça. Et c'est là où ça rejoint ce qu'on a vu un peu l'émission dernière, où le pasteur Isaac a pris l'exemple de Joseph. Il a préféré fuir que plutôt commettre... l'adultère, enfin, je veux dire, coucher avec la femme de son maître. Donc, il a préféré fuir, quitte à savoir... Et je pense qu'il savait que ça pouvait lui coûter la vie. Parce que, voyant, connaissant cette dame-là, il se dit que peut-être qu'elle va tourner la situation dans l'autre sens. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs, il s'est retrouvé en prison. Mais il était prêt à aller en prison, en fait. Alors que beaucoup de personnes ont tendance à se dire, non...
si je fais ça, ça risquerait de mal se passer, mm-hmm. je risquerais de me retrouver en prison. Donc je préfère faire mm-hmm. comme ça, au moins ça me protéger. Mm-hmm. Force intérieure faible. Mm-hmm. Ah, oui. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ce qui va arriver. Mm-hmm. On ne veut pas affronter les difficultés de demain mm-hmm. en se disant, en fait, on est prêt à compromettre son intégrité. Mm-hmm. Juste pourquoi? Parce qu'on est faible, on n'a mm-hmm. pas envie de vivre la situation difficile de demain. Mm-hmm. Donc du coup, l'intégrité est une caractéristique de celui qui a une mentalité forte. Une mentalité exactement. Forte, parce que mm-hmm. effectivement, celui qui a une mentalité forte aura toujours cette volonté, la capacité mmh. de pratiquer la parole de Dieu, mmh, d'être mmh. chercher toi être un avec la parole de Dieu. Quand, mmh. Or, quand on a une mentalité faible, mais quelque part, on aura la flemme, on n'aura pas la force de pratiquer la parole de Dieu. Mmh. Donc, et vraiment, avant de laisser le pasteur Daru, vraiment l'exemple de Joseph est assez remarquable. On voit vraiment quelqu'un qui avait une forte mentalité, mmh. parce qu'on voit quand même qu'il va en prison à tort. Mmh. C'est quand même remarquable, c'est vraiment vrai? À tort. On voit qu'il fait preuve d'une force morale. Mm-hmm. Il ne veut pas pécher contre mm-hmm. la loi de son Dieu. Mm-hmm. Il veut continuer à garder son intimité avec Dieu. Mm-hmm. Il est... Peut-être ça se passait, ça ne s'est même pas passé une seule fois. Mm-hmm. Peut-être ça s'est répété, on peut même y résister. Mm-hmm. Il voulait toujours avoir une bonne moralité mm-hmm. mentale, ainsi de suite. Il va en prison. Il n'est pas comme certaines personnes. Il arrive en prison. J'avais pris l'exemple d'un film des évadés. Comment mmh. quelqu'un était allé en prison. Et puis les anciens prisonniers avaient misé sur les nouveaux prisonniers. Ouais, c'est lui qui va craquer aujourd'hui. Il misait sur les cigarettes et toutes ces choses-là. J'aime trop nous parler de ce film. Il faut qu'on aille le regarder. Il faut que vous le regardiez. Ce que, et pourtant, c'est vrai, je vous signale, il y a des petites scènes pas très correctes dedans. Mmh. Ce qui nous intéresse, c'est surtout, il y a un autre personnage mmh. qui sera. Donc, on voit qu'il va en prison. Mmh. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Mmh. Il n'est pas dans les plaintes, parce que mmh. peut-être on voit. Il n'est pas dans les plaintes. Il n'est pas négatif. Mmh. Il n'arrête pas de servir. Mmh. Il continue à avoir ses qualités et les mettre au service d'autres personnes. Vous imaginez comme quelqu'un qui va en prison à tort. Mmh. Il doit être là, s'apitoyer. Mais je ne dois pas être ici comme dans ce film-là. Je ne mérite pas d'être ici. Je vais aller voir ma maman, ainsi de suite. Crier toute la nuit au point de se faire tabasser comme dans ce film. Joseph n'est pas comme ça. Il va en prison. Il remarque même que les autres prisonniers ont le visage un peu sombre. Mmh. Mmh. Mais quelle force mentale, morale, mentale. Mais vraiment, même le bonheur, son bonheur n'était pas parti. Mmh. Il avait donc, il arrive en prison, tout avec cette force de mentalité, et il va pouvoir même servir. Mmh. Il va voir un échanson qui a des problèmes, un panetier, il va servir, il mmh. va interpréter, bon, il va rendre service. Ses mmh. dons vont se manifester. Mmh. La compassion qu'il avait va continuer à se manifester. Mmh. Soit dit, mais en passant, certains disent que l'un des grands dons de Samson, mmh. c'était la compassion. Mmh. Donc on voit qu'il ne perd rien de tout ce qu'il avait. Il se met toujours au service de Joseph. Il se met toujours. Ça n'a rien à voir avec Samson. J'ai tendance de me dire, ça a atterri à Samson. Samson, ça n'a rien à voir. J'essaie de mettre le lien. Je dis, ça n'a rien à voir. Mais on voit que le monsieur continue à servir. Amen. Donc on voit vraiment combien de fois. Finalement, la force mentale, en fait, libère une énergie qui attire des circonstances correspondantes, des bonnes choses. En parlant de l'intégrité, comme tu disais, après, c'est que, en fait, je pense que la force intérieure, une personne qui a une force intérieure, va plus facilement être intègre, beaucoup plus facilement qu'une personne qui est faible intérieurement au niveau de son mental. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des chrétiens, ou du moins même s'ils ne sont pas chrétiens, qui veulent faire le mal juste pour faire le mal. Sauf pour ceux qui ont déjà tué leur conscience. Mais sinon, quand les gens veulent faire le mal, ils savent que c'est le mal, mais ils n'arrivent pas forcément à s'en empêcher. Quelque chose est plus fort qu'eux. C'est quoi? C'est la force de faiblesse, justement, qui les pousse à aller au bout de leurs mauvaises actions. Alors que la force intérieure, je dirais positive, va nous aider à pouvoir nous maintenir et à mettre un stop à nos émotions négatives et à nos émotions toxiques, à nos attitudes qui ne sont pas correctes. Donc, comme tu disais, je pense vraiment que l'intégrité sera maintenue par la force intérieure. Si on n'en a pas, vous pensez que quand le Seigneur Jésus va dire que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est une façon d'exprimer sa force mental, son caractère. Soit tu dis oui, soit tu dis donc l'une des caractéristiques de la faiblesse mentale, c'est la versatilité. Moi, je pense même... Tout à fait, parce que... Le fait d'être changeant tout le temps. Je pense même que c'est un péché, en fait. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce qu'on lui rajoute vient du diable. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu es versatile, c'est que quelque part, tu as commencé à pécher, en fait. C'est ça. Donc,
ne pas être fort, c'est un peu fort ce que je vais dire, ne pas être fort intérieurement, on est beaucoup plus à même de pécher. C'est-à-dire que moi, je pense même qu'on pêche parce qu'on ne maintient pas son âme. Pourquoi? Ça me fait penser à la personne qui est ivre. La personne qui est ivre ne décide plus trop de ce qu'elle fait comme action, de ce qu'elle pose comme action. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver à faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas voulu faire. Ou la personne qui est remplie de colère. La Bible va nous dire que la Bible n'interdit pas d'être en colère, mais nous demande juste de maîtriser, de nous maîtriser. À partir du moment où tu manques de maîtrise, tu as commencé à pécher en fait. Et donc c'est pour ça que je pense que si ton oui n'est pas oui et que tu commences à changer quelque part, tu ne te maîtrises plus. C'est ça. Parce qu'au début, tu as décidé de dire oui, maintenant tu as changé, tu dis non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a poussé à changer, tu ne t'es plus maîtrisé. Exactement. Donc je pense que c'est à ce moment-là où tu es dans le péché par la versatilité. Exactement. Et c'est pour ça que la Bible va dire l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc finalement, on va dire que l'âme, une mentalité faible, est plutôt exposée au péché, une mentalité forte. Va beaucoup plus marcher dans l'intégrité. Parce qu'effectivement, comme ils viennent de le dire, le péché, c'est quoi? C'est ne pas marcher avec des convictions, comme tu viens de le dire. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Tu sais pourquoi tu dis oui, c'est avec des convictions. Et la Bible va dire, ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Donc une âme forte, une mentalité forte, va être une mentalité qui marche avec une certaine philosophie basée sur des convictions solides. Et c'est là où alors on comprend le succès de Shadrach, Meshach, Abednego et Belshazzar à Babylone. Parce que quand ils se retrouvent dans la cour du roi, ils vont prendre une résolution. On ne se souille pas. Et dès le départ, en fait, ils montrent déjà qu'ils ont une mentalité très forte. Parce que plus tard, lorsqu'ils disent au roi, avec tout le respect qu'on te doit, on ne va pas adorer ce truc. C'est parce que mentalement, ils sont forts, qu'ils sont prêts à aller dans la fournaise ardente pour se faire brûler, au lieu de pouvoir se prosterner devant l'idole. Donc, c'est ce que tu disais, c'est des jusqu'au boutistes. En fait, les champions, les mentalités de champions, c'est-à-dire que ils sont prêts à aller jusqu'au bout, j'irai même plus loin, ils sont prêts à mourir. C'est ça, ils sont prêts à mourir pour leur cause. Ils sont prêts à mourir. C'est ça. À partir du moment, je pense même qu'à partir du moment où on n'est pas prêt à mourir, où on se dit pas, je donnerai tout. La seule réponse que j'attends, c'est un oui. C'est ça. C'est-à-dire que la seule issue, c'est la réussite. C'est si on ne se dit pas ça, quelque part, on est changeant. C'est ça. Parce que c'est qu'au fond, on est prêt dans certaines situations qu'on puisse changer. C'est ça. Si ça devient très très grave, là, ok, je peux changer. Ouais, une personne qui est juste au boutiste, c'est peu importe ce qu'on va me dire, peu importe ce qu'on va me faire, c'est comme ça. Je suivrai Jésus, quoi qu'il arrive, je ne me prosternerai pas devant quoi que ce soit d'autre, si ce n'est devant le Seigneur Jésus. Celui qui se dit, sauf si on menace mes enfants, femme, là, on peut discuter. Ça veut dire que tu n'es pas un jusqu'au boutiste. À partir de là, tu viens de donner la raison pour laquelle tu risques de changer de côté. C'est ça. Et puis, peut-être ajouter autre chose, toujours dans les caractéristiques, c'est quand même un point important. Les gens qui ont une mentalité forte vont pardonner facilement. Parce que finalement, on ne se rend pas compte que le marcher dans le non-pardon, ça affaiblit beaucoup de personnes à l'intérieur. Ça affaiblit à l'intérieur. S'ils peuvent comprendre ça, beaucoup de gens s'affaiblissent parce qu'ils marchent dans le manque de pardon. La preuve, l'important de ça, Jésus dans Matthieu 6, quand il va enseigner le canevas, la prière aux disciples, il va quand même dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Je pense que c'est le Jean-Michel Madinga quand il parle de ça, en fait, que dans la prière, là, il est question d'abord de pardonner aux autres, en fait, la prière. Donc, celui qui a une mentalité forte sait pardonner facilement. Je vois beaucoup de gens n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils ne sont pas forts à l'intérieur. Ils restent beaucoup plus sur les offenses, Or, quelqu'un qui est fort, il a une philosophie de vie. Il a des convictions, il sait que marcher dans l'amour, finalement, parce que quand on pardonne, c'est marcher dans l'amour. Je dois marcher dans l'amour parce que j'ai besoin de voir ma foi être opérée. C'est ça. Donc, je dois pardonner. Déjà, ça me fait du bien à moi-même. Parce que finalement, quelqu'un qui a une force mentalité va avoir une bonne image de lui-même. C'est ça. Il va s'aimer, il va d'abord aimer Dieu. C'est ça. Peut-être que la troisième émission parle des mécanismes. Quelqu'un qui a une force mentale va avoir... va voir la gloire de Dieu, va aimer Dieu, va s'aimer soi-même,
Et c'est pour cela, quelque part, il va aussi choisir de pardonner aux autres parce qu'il s'aime. Parce que, comme on l'a dit à la première émission, les gens ne comprennent pas que l'âme se programme. Amen. Se programme. Il ne faut pas suivre le petit goût que tu ressens quand tu détestes le voisin, en fait. Mm-hmm. Quand tu te mets à le haïr, tu vois, tu le hais et tu sens la haine. Hein, tu le hais et au-dedans de toi... Tu sens un petit goût là, en fait. Tout comme l'eau. Ça te fait du bien, tu vois. Ça te fait du bien. Mais tu es en train de programmer ton âme à la faiblesse. À la faiblesse. Tout comme quand tu t'appuies, toi, sur ton sort, sur toi-même. Il y a un petit goût là que tu ressens, mais tu programmes ton âme à la faiblesse, en fait. Il faut résister contre ça. C'est ça. Et ça va rendre ton âme plus forte, en fait. Je pense même que si on écoute un peu notre âme, on sent qu'au moment où on est en train de le faire, on ne devrait pas le faire. Mais ça, c'est même l'esprit, hein. C'est l'esprit qui nous le dit, en fait. C'est l'esprit qui nous le dit, en fait, à l'intérieur. Que non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça, en fait. Il y a le goût, il y a le goût. Ah non, il y a le goût. Il se sent comme soulagé de détester la personne. Et c'est là où, justement, où je disais tout à l'heure que quelqu'un qui a une mentalité faible aura tendance à chercher l'approbation de la foule. Si n'importe qui voyait ma situation, il me dirait que j'ai raison. C'est ça. Donc, j'ai raison de détester. J'ai raison de m'énerver. Tout le monde pense comme moi. C'est ça. Alors que celui qui a une mentalité excellente, une mentalité forte, va d'abord chercher la vérité. C'est-à-dire ce qui est bon, en fait. Et je pense que c'est le pasteur Isaac qui le disait tout à l'heure. C'est qu'une personne qui va avoir tendance à s'apitoyer sur son sort, en fait, c'est comme si... c'est beaucoup d'orgueil. C'est ça. C'est beaucoup d'orgueil. C'est ça. C'est beaucoup d'égoïsme, même, de se dire moi. Mm-hmm. Et à force de se focaliser sur soi, en fait, on perd l'énergie. Parce c'est que ça. Je suis convaincu que cette force intérieure naît à partir du moment où on est focalisé sur les autres. C'est ça. Le Seigneur va dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, etc. On connaît. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment tu t'aimes, toi? C'est ça. Donc, quelque part, la façon dont les gens aiment les autres reflète leur niveau de force intérieure. C'est ça. Et c'est comment ça. Ils s'aiment eux-mêmes, en fait. Amen. Parce que et c'est là où on voit les gens qui aiment beaucoup les autres, en fait. Je veux dire sincèrement, pas de façon hypocrite, mais vraiment sincèrement. Ce sont des personnes, en fait, qui ont une très grande force morale. Amen. Une très grande force morale. Pourquoi? Parce que pour aimer l'autre, il faut t'oublier quelque part. Amen. Parce que c'est là où tu me fais penser à Nelson Mandela. Ça, tu me fais penser à Nelson Mandela. Amen, amen. Comment est-ce que ce monsieur a réussi à pardonner autant d'années de maltraitance en prison, de mépris, de je ne sais, d'humiliation en prison? Comment il a fait pour pardonner ses bourreaux? La force mentale, amen, en fait. Amen. En fait, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Non. S'il voulait que son pays puisse guérir, il fallait qu'il puisse lui-même guérir de toutes ces offenses-là, en fait. Vous vous rendez compte? C'est important. Il va même parler d'amour. Hein. Il va dire c'est l'amour qui réussira, en fait, à nous unir. Et on l'a voulu le sortir de prison, il a refusé. Il a dit, tant qu'on n'a pas changé la loi, je reste en prison. C'est ça. Amen. Ça veut dire qu'il était prêt à souffrir pour sa cause. Il était prêt à mourir pour sa cause. Ça, c'est quelqu'un qui a une force intérieure. Ah, ça, c'était incroyable. Amen. Et pour peut-être ajouter, on voit que quelqu'un qui a une force morale va vraiment haïr, refuser les émotions finalement toxiques. C'est ça. Et on a parlé un peu du manque de pardon, ça va être le ressentiment également. Ce sont des choses vraiment qui nous affaiblissent. Le fait de dormir parfois, soit sur ses échecs ou même sur ses victoires. Quelqu'un qui a une force morale va trouver une philosophie de vie toujours. Je vais de l'avant, je regarde ce qui est en avant. Et c'est vrai que l'exemple de Nelson Mandela est assez remarquable. On disait même qu'il citait souvent un poète qui disait souvent « Je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin. » Je pense qu'en prison, on voit qu'il se nourrissait, il lisait vraiment tous ces livres-là qui l'aidaient à soutenir la cause pour laquelle il était en prison. Mais c'est ça qui l'a aidé. Hein. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'il puisse sortir de prison. Amen, hein, parce que ce monsieur dégageait tellement quelque chose de positif que, en fait, la vérité, les gens pensent que, en fait, quand on va opposer le bien, on va mettre le mal, c'est le bien qui va gagner. Hein. Toujours. Parce que le bien vient de Dieu, amen, en fait. Amen. On prend l'amour, on prend la haine. L'amour va réussir à vaincre la haine. Parce que l'amour a plus de force que la haine. Amen, amen. Parce que l'amour vient de Dieu et la haine vient du diable. Amen, et quand tu opposes Dieu avec le diable, c'est Dieu qui gagne, en fait, forcément. Et c'est là où les gens doivent comprendre qu'ils doivent développer des bonnes mentalités. Amen. Développer la bonne mentalité va t'assurer la victoire. Amen, en fait. Amen, amen. C'est important. Comment des personnes, par exemple, comme Gandhi, bon, c'était pas un chrétien, c'est Gandhi, mais comment Gandhi va prôner certaines valeurs
cœur, qui sont liés à la force morale. Amen. Parce que le premier à avoir, bon, le premier, c'est lui avoir exalté le principe de la non-violence. Mm-hmm, mm-hmm. C'est Gandhi, en fait. Amen. Et Martin Luther King a pris ça, en fait. Mais Amen. Ces personnes-là ont développé une force mentale Amen. Hors norme. Si certaines d'entre elles qui n'étaient pas du tout chrétiennes, notamment mm-hmm. Gandhi n'était pas du tout chrétien, et d'ailleurs même il a dit quelque chose, il a dit « j'aime le Christ, mais ouais. les chrétiens, je ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas comme leur Christ. » Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si lui, il a pu développer une telle mentalité, combien plus forte raison, nous les chrétiens, la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, Amen. C'est une mentalité de victoire Amen, Amen. Qu'elle essaye de nous inculquer mmh, en fait. C'est vrai, c'est et comment nous on a ce livre-là, mmh. et on est faible, on est poltron, mmh. on est toujours au sol, mmh. on n'a pas une bonne mentalité. C'est parce que je pense quelque part, les chrétiens ont beaucoup plus assimilé la communion avec Dieu. Mmh. Ils oublient que Dieu, c'est sûr, c'est important d'avoir la communion, c'est un privilège. Mmh. La communion est une bonne chose, c'est ce que le privilège que les chrétiens ont. Mmh. Mais on oublie les lois spirituelles. C'est parce qu'il y a la personne de Dieu, il y a ses principes, ses lois mmh. qui soutiennent même l'univers, qui soutiennent la terre et tout ça. Et c'est ce qu'on voit avec toutes ces personnes-là qui ne sont pas chrétiens, mmh. qui ne sont pas chrétiennes, comment ils avaient cette robustesse. Je pense même il y a un passage dans les psaumes, David qui va parler de ça, comment la loi de l'Éternel donne une certaine robustesse dans mmh. l'âme. Et mmh. on voit un peu ces dénominateurs communs avec Nelson Mandela, mmh. mais finalement, on voit qu'ils appliquent les lois spirituelles mmh. quand même. Mmh. L'amour, c'est une grande force. C'est ça. Et je me donne pour le grand nombre. C'est ça. Parce qu'on dit même en prison, on voulait lui donner des petits trucs, dit non, je refuse ça tant que le peuple n'est pas libéré. Ça, c'est l'amour, il n'était pas égoïste. Donc, c'est une loi spirituelle, même d'autres personnes, ils appliquaient des lois spirituelles. On peut même prendre l'exemple de Martin Luther King. À cette époque-là, comment on rabaissait une certaine race aux États-Unis, on le mettait au même rang que les animaux. Mais lui disait non. C'est pas ce que Dieu dit, c'est une loi humaine. La loi de Dieu n'est pas comme ça. L'homme, c'est pas d'abord cette peau-là, c'est l'image de Dieu qui est au-dedans. Donc tout homme a le même niveau. Donc on voit qu'il va combattre. Et on voit quand même que celui qui a une force morale va beaucoup plus combattre pour les lois finalement de Dieu qui sont des lois universelles. Et quelque part, il est comme invincible. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Mais c'est clair parce que, sur la tombe de Martin Luther King, c'est quand même écrit, ils ont tué le rêveur, mais ils n'ont pas tué le rêve, en fait. S'il prône l'amour, il a même écrit un livre intitulé La force d'aimer, je pense, quelque chose comme ça. Ou un livre sur l'amour. Oui, c'est Martin Luther King qui a écrit un livre sur l'amour, je pense. L'amour, c'est une force. Et ceux qui ont la force mentale arrivent effectivement à tuer la haine, à tuer les émotions toxiques et laisser l'amour s'exprimer. C'est ça, parce qu'en fait, en réalité, tout ce qui nous pousse à devenir même des champions succès, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour, parce que beaucoup pensent que l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Alors que l'amour est une force. L'amour est une force. Et c'est une force, et cette force-là, en fait, c'est celle-là qui nous pousse, en fait, à aller jusqu'au bout de nos actions. Parce que dans la force de l'amour est renfermée aussi la passion. C'est ça. Et c'est cette passion qui va nous pousser à aller réussir certaines choses qu'on n'aurait pas pensé réussir. Exactement. En fait. Et je pense que les chrétiens doivent comprendre en fait que Dieu est bon, gloire à Dieu, on doit communier avec lui, gloire à Dieu. Non seulement il y a ses lois, mais ses lois vont être applicables aussi sur les païens. Ça veut dire qu'un païen peut réussir à manifester ces choses-là, cette force mentale, alors que le chrétien n'y arrive pas du tout. Pourtant, le chrétien, il prie. Pourtant, le chrétien, il fait tellement de choses, mais comme il n'a pas donné de l'importance à son âme, comme il n'a pas pris le temps d'étudier l'âme, il n'est pas en train de le faire. Mais comment, peut-être certains vont me dire, mais comment le païen arrive à le faire s'il n'a pas pu l'étudier? Parce que certains, on va les enseigner, comme l'apôtre le disait dans une précédente émission, il y a des cours pour ça. Ils prennent des cours, on les enseigne comment dompter leur âme, comment maîtriser les émotions, comment faire de sa vie ce qu'on veut, en fait, comment parler de soi-même. Et comme ils ont payé, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça, ils ont tendance à écouter et à suivre. Non, c'est vrai. Je sais pas, ils n'ont pas perdu. Non, c'est vrai. Parce que nous, comme c'est gratuit, comme c'est gratuit, ils se disent, bon. Voilà. Et pourtant, on leur donne des pépites le dimanche. Par exemple, à cette émission-là, on vous donne des pépites. Certains d'entre vous, vous écoutez l'émission, vous êtes reboostés, vous êtes encouragés, vous vous dites, tiens, non, là, il faut vraiment que je me relève. Il y en a qui payent pour entendre les choses qu'on vous dit là, en fait.
Il y en a qui payent. Et certains chrétiens, tu parlais tout à l'heure des chrétiens qui prient, mais qui ont une mauvaise mentalité. Mm-hmm. Ben c'est parce que même dans leur prière, ils amènent leur négativisme là-bas. Là, oui. Dans la prière. Oui. La prière qui fonctionne, ce n'est pas mm-hmm. la prière des plaintes. Non, non, non. Ce que vous comprenez, ce n'est pas « Oh Seigneur, regarde, je suis petit. Oh mm-hmm. Seigneur, mes parents m'ont abandonné. Seigneur, mm-hmm. oh, je ne suis pas fort. Oh Seigneur, tu peux toujours... » prier comme ça, là, ça ne marchera pas, en fait. Il y en a ouais, même qui menacent que... Dieu, hein. Alors, mais c'est vrai. Seigneur, chantage divin. Chantage divin. Non, mais là, 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 hein, je te donne 2 semaines. Si dans 2 semaines... Mais, et ça, c'est ça démontre justement combien est... de fois... Si dans 2 semaines, ça, vraiment, je n'ai pas la solution à ce problème-là. Je repars dans le monde. Je repars maintenant. Ça ne marche pas avec Dieu, ça. Et donc, on voit vraiment que les gens qui ont une mentalité forte choisissent et décident d'aimer chaque jour. L'amour est un choix et une décision également. Parce que nous, les chrétiens, nous avons l'amour. Yes. Ce n'est pas pour autant qu'on décide de manifester l'amour. Et je reviens quand même sur ce que Jésus va dire. Cette échelle-là, il dit on va aimer Dieu, s'aimer soi-même et puis aimer les autres. Ouais. Donc, on voit quand même qu'avoir une mentalité forte, c'est arrivé finalement, ce n'est pas l'égoïsme, c'est arrivé quand même à bâtir et à comprendre, à bâtir une bonne image de soi. Je pense que c'est ce qui détermine comment on va aimer les autres. C'est sûr que dans la 3e émission, on parlera certainement des mécanismes. On va vraiment insister. La relation entre celui qui va avoir une mentalité forte et Dieu quand même. Parce qu'on voit quand même que pour même bâtir une image forte de soi, il faut avoir cette connexion avec Dieu. Non, c'est clair. C'est clair, on va leur montrer ça à la 3e émission. Ouais. J'aime ce que dit le pasteur Isaac par rapport au fait que l'image de soi. Parce que beaucoup de personnes vont basculer dans l'égoïsme et appeler ça « non, mais je pense à moi ». Alors que ce que le Seigneur nous demande, c'est d'apprendre à nous connaître. C'est-à-dire prendre le temps de nous étudier nous-mêmes et prendre le temps de savoir qui nous sommes véritablement. Parce qu'en fin de compte, une personne qui a une force mentale assez élevée, c'est une personne qui se connaît. Il sait que là, je ne vais pas y arriver, donc je décide de ne même pas y aller en fait. Là, je vais réussir, donc je mets toutes mes forces dans ce domaine-là parce que je sais, parce que je me connais. Je me rends compte que les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes ont tendance en fait à refléter leur faiblesse et leur faiblesse morale sur les autres en essayant de décrire les autres. En fait, c'est eux-mêmes qui le décrivent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, par exemple, en disant, mais non, tu es égoïste, tu es ceci. Alors que c'est eux-mêmes qui essaient de refléter sur vous ou sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur qui ils sont vraiment. C'est ça. Et c'est souvent les personnes qui ont du mal à se regarder en face, regarder leurs erreurs. Or, pourtant, j'aimerais vraiment insister là-dessus, par rapport à toutes les personnes qui nous regardent, prendre le temps de se regarder en face et d'accepter qui nous sommes, que ce soit les mauvaises choses comme les bonnes choses. Vraiment, prendre le temps d'accepter parce qu'on ne pourra pas construire si on ne sait pas où nous sommes en train de construire, si on ne sait pas d'où on part, en fait. Et c'est important de se dire, je suis faible dans ce domaine, je suis fort. Ça, j'y arrive, ça, je n'y arrive pas. Pour savoir ce qu'il faut développer et pour savoir ce qu'il faut booster, en fait. Parce qu'en ne le sachant pas, on ne va pas savoir à quel moment nous sommes forts, à quel moment nous sommes faibles. C'est très, très dangereux, en fin de compte. Bon, et pourtant, c'est vrai que ça, c'est la 3e émission. Et pourtant, avec la parole de Dieu, ben, la Bible va comme nous. Je pue tout. Mais je reviens. Non, parce que Isaac, à chaque intervention, bon, c'est vrai que c'est la 3e émission. Je vous donne une clé, là. Je vous donne encore la clé. Je vous donne les clés. Finalement, c'est la 3e émission. C'est la 3e émission. Bon, ça se trouve, à la 3e émission, il aura beaucoup de choses à dire. J'espère. Non, en fait, je reviens quand même. La Bible a dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance afin qu'il domine. Donc, quand on parle quand même de la force morale, il est important. On doit se bâtir une image de soi. C'est vrai que le pasteur Daru parle de le fait de se connaître. Il y a à faire le bilan un peu de ses forces et de ses limites. Amen. C'est une chose, mais après, il ne faut pas rester là. Après, il faut se construire parce que Dieu, on est quand même des supermans. Il ne faudrait pas qu'on soit dans la fausse humilité, il faut le dire. Et c'est pour ça que je voulais dire, Paul va quand même dire, je pue tout par Christ. Christ qui me fortifie. Donc, en fait, ce qu'il vient de dire, dans la construction de soi, il est important, dans un départ, avec la parole de devoir, faire l'inventaire de ses forces. Et peut-être de ses faiblesses. Mais après, avec la parole de Dieu, arriver à... Travailler ça. À travailler, parce qu'on ne doit pas... Non, on ne doit même pas parler... C'est pour ça qu'on parle d'être positif. On ne doit même pas parler de ses faiblesses. Si on développe les forces, et
on va engloutir les faiblesses. C'est ça. C'est comme ça qu'on a. Donc, on doit d'abord, dans l'imam, on doit faire l'inventaire de ses forces, de ses faiblesses. Et puis, avec la parole de Dieu, davantage bâtir son image. Amen. Et ça, c'est important. Ce n'est pas l'égoïsme, mais c'est se construire parce que l'image qu'on aura de nous-mêmes, qu'on va bâtir surtout avec la parole de Dieu, parce que la Bible va dire que quand on regarde les mécanismes, quand on regarde la parole de Dieu, le pasteur Gentil a parlé ce matin dans une réunion qu'on avait dans avec... une réunion Évangile il TV. Parlait de la réalité de la foi qu'on projette dans le monde naturel qui s'impose. Et pendant qu'il parlait de ça, j'ai aussitôt pensé à ce passage biblique qui nous montre la parole de Dieu. C'est-à-dire quand... Enfin, on ne peut pas nager au-delà de la gloire qu'on voit finalement. Amen. Donc on a besoin d'abord de se bâtir une image. Et c'est cette image-là qui va déterminer les relations qu'on aura avec les autres, comment on va aimer les autres, comment on va réussir dans tout ce qu'on... Tout part de l'image. Donc celui qui a une mentalité forte va avoir une bonne image de lui-même. Même quand il semble avoir des défauts, parce que ces choses-là peuvent venir de lignées, de machin, on s'en fout quelque part. Ce qui compte, je suis la gloire de Dieu, je suis fort, c'est ça. Amen. Et quand on le dit, c'est une façon de se bâtir cette image-là et ça va. Amen. Bon, j'avais une autre idée, mais bref. Bon, mais de toutes les façons, à la troisième émission, on vous invite vraiment à regarder la suite de cette émission. Amen. On va vous parler, on va vous montrer comment développer une mentalité de champion. Amen. Comment être fort moralement pour pouvoir faire des exploits. Vous n'avez pas le choix. Le Seigneur a donné un ordre, dominer. Amen. Et vous n'allez pas pouvoir dominer avec une mentalité faible. Non. Vous comprenez? Même si c'était au jardin d'Éden, Adam ou Ève n'allaient pas dire « Oh non, c'est le lion. C'est le lion. Oh là là, c'est le lion où il va me... » Non, il fallait dominer, en fait. Amen. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez développer ça. Et on va vous montrer à la prochaine émission comment le faire. Cette émission vous a certainement béni. On vous invite à ne pas rester téléspectateurs, devenez des acteurs aussi, en nous aidant à développer davantage cette chaîne, en nous soutenant financièrement, c'est vrai par la prière, mais aussi financièrement en étant partenaire. Et pour être partenaire, vous nous envoyez tout simplement un message WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant et nous allons vous dire comment être partenaire. C'était l'émission Pendule à l'heure. Nous sommes dans une série où nous parlons de la force intérieure, Amen. On développe la force mentale. Je vous dis à bientôt.